Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge. Ça faisait longtemps, hein. Voilà, les cris d'un bébé. On n'était plus habitués. Et ben, ça y est. Allez, ma petite Radie, tu vas vite te lever et t'occuper de ta petite dernière hein, qui est née à l'épisode dernier, Frédégonde. Voilà, encore une fifille. Oh, et donc, ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. T'iras lui parler et après, bien sûr, tu retourneras te coucher. Voilà, nous sommes samedi, il est 3h du matin, et puis nous sommes ensemble pour les jours à venir. Et demain, en étant dimanche, eh bien, on pourra vendre nos productions, c'est-à-dire bah, toutes les jardinières que Amédée aura fait. Donc je suis joie, parce que je pense qu'on va essayer de rentrer dans nos frais. Oui, il est 8h et elle repleure. Oh, dis, t'es relou! Et par rapport à sa sœur, elle est méga relou. Non, non, Amédée, mais t'es gentille, mais non! T'es gentille, Amédée, mais non! Bouge tes fesses! Bouge tes fesses, Amédée! Oh là là! Oh, ça commence! Allez, tu vas nourrir ta fille! Mais elle est lourdingue, hein, la petite! Bon, bah, il fait pas super beau aujourd'hui. Ça pleut. Bon, bah, la petite Lalée est toujours aussi dégueulasse, hein, ça c'est sûr! Bah, tant qu'on n'a pas. On peut pas faire mieux que ce qu'on fait. Tu peux aussi taper dans les macaronis, comme ça, tout le monde mange, tout le monde se remplit la panse. Et puis peut-être qu'au prochain repas, ce sera des fruits. Oh, ça commence à galoper là. Eulalie, elle atteint le niveau 4. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, touche pas à ce truc! Tu vas te faire encore plus dessus là. Déjà que t'es déjà pas très propre. Hein. Bon. Bon, d'ailleurs, maman, tu vas profiter pour lui changer la couche. Ce sera toujours ça de pris. Mais arrêtez de lui proposer une baignoire alors qu'on n'en a pas! Ça devient grave quand même! Bon, allez, on va être parti à créer des jardinières jusqu'à plus soif pour améliorer bah, ce qu'on peut, quoi. Pour avoir aussi de l'argent. Parce qu'une jardinière, ça donne des pesetas derrière. Chérie, j'ai réfléchi. Si on adoptait un lama, peut-être qu'on pourrait faire une production de, je sais pas moi, de gelée de lama ou de poils de lama. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, laisse-moi tranquille, moi je bricole, ouais. Oh, mais si tu veux, je peux t'aider, on va créer un tank. Là aussi, ça pourrait être pas mal. Qui c'est qui toque? Sarah Adam. Bah écoute, je ne connais pas, mais on va dire bonjour à cette. Oh, magnifique. Oh là là, magnifique jeune fille. Qui est jeune adulte. Ah bah écoutez, pourquoi pas? Oula, ça commence à. Ah ouais, attendez. Peut prendre une douche sous la flotte là. Allez, la petite, elle peut rentrer. Elle peut pas se laver sous la flotte, la petite, c'est nul. Mais Radie, elle va y aller. Regardez-moi ça, elle va aller kiffer. Et on frotte, frotte, frotte cet endroit qui pue. Et on se lave, se lave, se lave tout ce qu'on peut laver. Bon, elle sera toute propre après. Mais, c'est Tancredi d'où maintenant qui est là? Ah, oh bah en plus tu le connais même pas. Mais elle est trop belle, hein. Plus c'est une fille d'artisan. Salut Tancredouche, comment tu vas? Oh, tu es devenu un homme, Tancredoun. Oh là là! Bichette, elle vient de. Oh là là! Frénéconde vient de grandir et elle sera 1 et 2 et 3. Espiègle, super. Oh, la petite biche, elle a les yeux de maman et elle est tout aussi bronzée que papa et que sa sœur. Oh là là, ce petit visage d'ange encore une fois. Oh, je sens qu'elle se ressemblera plus à Amédée qu'à Radgonde, mais elle est trop mims. Il n'y a pas de raison qu'Amédée n'en profite pas. Regardez-moi ce mec là, comment il est bien gaulé quand même. Bon, attendez, ça fait bizarre de voir les autres derrière. On va dire, mais tu te laves pas? Non, c'est ça, te laver pour toi. Tu te mets sous la flotte et t'attends. Oh, pourquoi pas. Mais qui c'est encore ça? Ah, c'est Sarah Marie! Ben, dis donc, c'est le jour des visites, hein. Oh, Sarah Marie, un petit bidou, tout rond. Ah, bah, avec Fulbert, ça n'arrête plus, là, dis donc. Depuis que vous avez essayé de faire un enfant, vous avez cumulé. Mais c'est bien, c'est bien. Et voilà à quoi ressemble la petite Frénégonde. Elle est toute kiki, elle est aussi bronzée que son papa et que sa sœur, hein, donc à voir après si en grandissant ils perdent un peu cette couleur ou pas du tout. Et puis voilà, les grands yeux bleus de maman. Et ben ça fait une de chaque quoi, j'ai envie de dire, une avec les yeux de papa, une avec les yeux de maman. On verra bien pour le troisième, hein, on aura peut-être une surprise, qui sait. Alors les frangines, ça discute un petit peu.
Babillés, enlacés. Hein, les bichettes, on pourrait presque croire que c'est des jujus, hein. Que c'est des jumelles, mais non, pas du tout. Elle est trop contente. Ouais, ma grande sœur, elle est trop belle. Oh oui. Oh, c'est trop cute. Allez, salut Tancredou, ça fait plaisir de te voir. Puis là, il se fait 21h. Ouais, ouais. Bah oui, hein, il y a qu'une seule... Oh là là, il y a eu des dégâts là-haut. Il y a eu des dégâts. La petite Frénégonde a fait des bêtises, maman. Et elle continue. Maman, tu vas venir encourager le bazar. Oh non! Ça, c'est sûr. Tu vas dire de ne pas mettre le bazar à ta petite. Puis tu nettoies, hein, évidemment. Donc toi, tu arrêtes tout de suite tes bêtises. Va falloir l'occuper toute la nuit, parce qu'elle ne peut pas dormir, vu qu'elle n'a pas de lit, vu qu'on n'a pas l'argent pour l'instant. Mais demain, on est dimanche. Donc on pourra vendre les productions. Et peut-être s'en sortir, éventuellement. Donc tu peux nettoyer ça. Tu vas me manger une banane avant d'aller au lit. Voilà. Et puis, est-ce qu'il veut bien... Non, mais viens là, mon coco. Tu vas peut-être jouer avec ta fille en attendant. Et puis, ouais, ou faire connaissance, discuter avec elle. Et puis après, vous allez peut-être mettre bébé 3 en route. Ouais, je suis une gueudin. Moi, je fais des bébés alors qu'on n'a pas d'argent. Sarah Marie, déjà, tu bouffes nos pâtes alors qu'on est pauvres. Et en plus, tu vas accoucher, donc je te conseillerais quand même de rentrer chez toi. Vraiment. Il y a des propositions indécentes qui se font là. Hein? Ouais, mais puis il a bouffé un fruit, alors bon, ça va pas être sympa là. Bon, bah allez. Est-ce qu'on est parti pour bébé 3? Me semble bien. Bon, bien sûr, à cause des fruits qu'ils ont mangés, ça craint la mort là, donc ils vont tous les deux aller au pipi dans les buissons. Mais non, mais elle s'est pissée dessus malgré tout! Oh l'enfer, eh ben écoute, tu peux te laver rapidement là. Ah ouais, ouais, tant pis, hein. Ouais, tu feras la vaisselle en tant qu'affaire. Non mais, avec Radgonde, les fruits sont vraiment pas cool, hein. Et il y en a une, elle fait des conneries, je vous raconte pas là. Oh. Par contre, tu vas être sévère là, tu vas lui hurler dessus, hein, Médée, là ça suffit, hein. Oh ben merde, en plus, le crac-crac, il était nul. Non mais regardez-moi ça, quoi. Lui, il est parti se coucher. Non, mais à m'aider. Tu viens ici. Viens nettoyer aussi, cocotte. Parce que, bon, de toute façon, ça va être un chantier. Hein, je le sens bien. Et puis, vous remettrez ça. Hein, un petit crac-crac des familles. Hein, pour être sûr que tout va bien. Allez, c'est reparti. Deuxième séance de crac-crac nocturne. Et, bon, bah, il y aura une lessive à prévoir. Avec le bordel des gosses, je vous dis, ça va être sympa. Vous allez adorer, vous. Ouah! Ah mais non, mais pourquoi? Oh mon dieu! Bon, c'est pas vraiment le jeu, mais on va appeler les pompiers, mais parce que là, ça va cramer toute notre maison. Oh non, 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 c'est la merde. C'est la totale merde, la petite, elle dort par terre et tout. Non! Oh la vache, on va tout perdre! On va tout perdre! Ça nous a cramé le landau, là, le berceau. Mais comment on va faire? S'il vous plaît, les piétons. La petite, elle est par terre. Tout le monde s'en fout, quoi. S'il vous plaît, les piétons. Oh là 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 là. Oh non. Mais pourquoi d'un coup, ça se déclenche? On n'avait pas de tapis, on n'avait rien. Oh non, on a perdu une chaise. Une chaise est morte au combat. Oh l'enfer. Et ça... C'est une blague? Mais ça recrame! Non mais oh, y'a pas de l'abus là! Mais s'il vous plaît! Y a le feu en fait! Je sais pas si vous êtes tout courant, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Vous voyez pas qu'il y a encore le feu? Non, vous êtes... J'ai envie de crever. Je vais tout perdre. Ah là c'est... Ah ouais non mais là ça crame... Mais ça crame à l'intérieur, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais... Viens éteindre, ma belle, parce que là, je pense qu'ils vont faire du caca. Oh non. S'il te plaît, tu peux venir... Mais éteignez les pompiers, vous êtes cons ou quoi? Oh, bon sang. Ah bah quand même, ça y est, ça se réveille. Non mais la blague. Mais éteignez-moi le feu, là, on va perdre toute notre maison. Mais au secours, mais ça fait un bon corps là, hein.
Oh. Mais éteignez... Oh là là, mais regardez, tout est en train de cramer. On va perdre la baraque. On est obligé d'appeler les piétons à chaque fois. Mais rappelez-les parce qu'ils sont tellement débiles. Ils sont devant un feu et ils font rien. Mais what the fuck. Oh non, mais là, franchement, il n'y a plus rien qui va. Mais regardez, ça reprend. Mais l'enfer. What the hell. Non, mais maintenant, j'ai le pompier qui prend feu. Oh, mais là, c'est plus possible, hein. Mais regardez l'état de la baraque, là. Amédée, viens. Je t'en prie. Je t'en prie. Tout est en train de cramer. Éteins. Éteins toi-même. Allez. Non, arrête de dire que tu peux pas. C'est pas vrai. Viens. Voilà, tu peux éteindre toi-même. Mais sérieux. Appelle les pompiers qui sont de... Ah, ça y est. Oh mon Dieu. C'est pas vrai. On va y arriver. On va y mettre fin à cette envie de taré, là, quoi. C'est pas possible. Ah bah oui, ça fait juste 10 ans que vous êtes là. Oh la vache. Oh bah oui, 20 simflouzes pour tout ce bordel. J'adore. Les pauvres biches, elles sont là, elles sont fins et tout. Ah bah tu vas manger, écoute, voilà. Ça va plus du tout pour les petites, mais c'est pas grave. Hein. Au moins, on va essayer de les nourrir. Vraiment, on a toujours des fruits, hein, parce que là, bonjour. Hein. Bon, bah maintenant, c'est la pauvre Adi qui doit tous nettoyer. Pff, bah voilà, on a perdu un perso. Je le repérerai pas. Hein. C'est quand même 150 simflous, donc c'est pas grave. On a perdu une chaise dans la bataille. Et puis, une belle grosse frayeur, quoi, de croire que notre maison va aller cramer pour de bon. Et puis, ben, on a éteint la cheminée, quoi. On la rallumera qu'en hiver, hein, c'est fini. Bon, au moins, ça va. Eulalie a retrouvé le chemin de son lit. Je vais la laisser dormir un peu, la pauvre. Bah, bravo, Radi, hein, t'as tout cassé, hein. Bon, ben, tu pourras réparer, Amédée, hein. Pff, on n'est plus à ça près. Aujourd'hui, c'est la loose, quoi. Bon, bah, allez, on est quand même dimanche. Ah, bah, non, il est pas assez bien. Va courir un petit peu, mon petit. Ah bah non, il va pas non plus. Bah, pff, tu me casses les pieds. Viens ici, va prendre l'air. Radi, tu peux me nettoyer ça, s'il te plaît. Oui, je sais, tu vas être fatiguée, mais à un moment donné... voilà, faut remettre la maison en état. Et je suis désolée, mais... C'est compliqué, là. Sarah-Marie est de nouveau là. Comment vas-tu, madame? Tu as perdu, tu as accouché. Ah, super. On va lui dire bonjour, il va toujours pas bien, ça m'agace parce que là on doit faire quand même, on doit compléter notre revenu là, il faut qu'on vende nos productions et tout, mais bon, si il est jamais bien, il casse ses couilles quoi. Et Radi, bon ben, elle s'acharne à faire la lessive, je suis pas sûre que ça ait pris là, elle a pas les doubles flèches, les deux crac-crac n'ont pas servi à grand chose. En même temps, je pense que vu la frayeur de l'incendie, le machin il s'est dit « Oh moi, je m'implante pas dans le bidou si ça crame tout. Hein. » Allez, arrête de faire la tronche et fais tes jardinières, s'il te plaît. Bon, les petites, c'est pas trop la... Vas-y, refais une sieste, toi, parce que bon, je peux pas faire autrement. Les fruits, ça les nourrit pas des masses non plus, hein, j'ai l'impression. C'est le fonctionnement réseau, je crois que ça les aide plus trop. Mais bon, on fera ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, donc... Elles vont manger ça, elles vont dormir comme elles peuvent. On va vendre nos productions, on aura de l'argent, ça devrait aller là. On va essayer du moins. Mon Radi, elle fait une petite sieste parce qu'elle était complètement déglinguée. Et elle a bien bossé, elle a quand même fait la lessive, elle a nettoyé en partie ici et tout, donc c'est bien. Bon, c'est séance de sieste pour tout le monde parce que là, l'incendie, voilà, hein, ça nous a un petit peu dérangé dans la maison. Pendant que tout le monde dort, moi, je vais vendre les productions de notre ami Amédée. Donc, on a un guéridon qui vaut 105 simflouzes. On part de 22 simflouzes. On part à 105 et on a 18 jardinières. Donc là, j'espère qu'on aura pas mal. Oh oui. Oh oui, oui, oui. 1260 simflouzes de gagner grâce aux jardinières. Ah bah oui, il y a un rendement à plus de x4. L'investissement, c'est très rentable. On est donc en tout à 1387 simflouzes. Du coup, nous avons gagné en tout 1365 simflouzes auxquels on enlève les 45% dus au seigneur qui fait un total de 614 simflouzes. Et quand on soustrait eh bien tout ça, il nous reste donc 751 simflouzes dans notre poche. Et ça, c'est
Génial! Je crois que le Amédée, il m'a un peu arnaque, hein. Je lui ai demandé de me faire 5 jardinières à la suite. J'ai vu les sous tomber et je sais pas. Il y en a combien qui m'a fait sur le truc, mais il va me casser les pieds, hein. Je vous jure que si je les ai pas à la suite, je le démonte. Tu me cours sur le haricot, Amédée? Oh, tu files pas un bon coton là, hein, je te le dis. Allez, t'auras droit de manger des pâtes aussi, tiens. Parce que là, tu me fais n'importe quoi. Tu m'as fait aucune jardinière. On est dimanche. C'est pour gagner de l'argent que je t'ai demandé de faire ça. Bon, il veut vraiment pas reprendre les jardinières. Il ira donc se coucher parce que là, ce fut une journée compliquée. On est quand même rentré d'un peu dans nos frais, donc ça c'est super. Mais effectivement, le reste c'est pas génial. Les gamines, mais arrête de pleurer, mange. Et puis, mange. Je vais te demander de le manger, parce que là tu pleures dedans, tu gâches la bonne sauce au fromage, quoi. Allez, bonne nuit à m'aider. Je vais essayer de gérer les petites moi-même. Regardez-moi comme c'est triste. Eulalie, elle dort par terre. Oui, mais au moins elle peut. Et puis voilà, il faut bien aussi. Hein. Je pense pas racheter un nid de bambin. Elle va grandir en tant qu'enfant, donc on va plutôt investir dans un lit d'enfant. Ce sera plus sympa. Voilà, Eulalie est déjà jour zéro pour grandir. Donc, ah bah ça y est, elle se met à clignoter. Donc, dans je sais pas combien de temps, 24 heures, 12 heures, je ne sais plus, et bien elle va grandir en tant qu'enfant déjà. Oh bah zut! C'est les orages maintenant qui s'abattent sur Windenburg. Bon, c'est dangereux, mais on en profite quand même pour se doucher un peu et puis tu pourras ranger le linge. Oh mon Dieu, il y a un éclair qui est tombé juste là. Amédée, 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 vas-y, 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 rentre. Rentre, je pense que c'est bon là. J'ai pas envie de risquer la mort pour vous, hein, quand même. Après ce qui s'est passé hier, il s'en est vraiment fallu de peu. Oui, c'est ça. Amédée a failli être frappée par la foudre. Rester en dehors, un orage peut être très dangereux, j'avoue. Ah bah voilà le moment tant redouté des factures. On doit 234? 225, machin. Ok. Eh bah super. Oh yes. Oh oui, on va pouvoir payer les factures. Tu vas les payer tout de suite. Comme ça, ce qu'on aura investi, voilà, on sera pas dans le caca, on repartira sur des bases saines où on ne sera plus piqué nos meubles. Hein, parce que l'huissier, la semaine dernière, je m'en souviens. Hein. Ah ouais, tu peux être fier là. Allez, 234 simflou, c'est parti. Et pour l'instant, ça va. Les 5 jardinières que je lui avais demandé de faire, elles repopent automatiquement. Donc, j'ai pas perdu d'argent. Allez, on est reparti pour une fournée de macaroni au fromage. Mais au moins, ça nourrit beaucoup mieux que les fruits. Ah ouais. Les petites crados, elles sont trop mignonnes, mais qu'est-ce qu'elles sont sales. Allez, Amédée, tu as ta dernière, tu as ta, oh, tu as ta dernière, non, tu as ta récompense pour voilà, pour manger tes pâtes. Et puis en divertissement, ben, vous allez essayer de me refaire un bébé, hein, parce que là, ça a pas pris du tout les deux fois. À croire que t'es devenue stérile ou quoi. Bon, l'orage a enfin cessé, on peut s'occuper du jardin, il y avait un peu besoin, sinon c'était beaucoup trop dangereux, surtout pour rester autant de temps dehors. Donc voilà, on en profite. Hein. Ouais, niveau 8 de bricolage pour Amédée! Hey, t'as fini ton truc? Allez, 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 allez les enfants, vous allez me faire un petit bébé là. Pour le coup, ça va être bon là. Vas-y, laisse la petite tranquille, elle mange. Allez en faire un troisième. Allez, c'est parti. Ça remonte au divertissement. Plus à m'aider, il en avait grandement besoin. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça prendra quoi, tout simplement. Vous avez déjà fini, les amoureux? Ben, on y retourne. Hein, on y retourne. Allez. Et c'est sur les deux petites flèches qui confirment que cette fois-ci, c'est bon. Ils vont faire avoir un troisième enfant que moi je vais vous laisser pour cet épisode riche en émotions. On va s'en sortir au niveau finance. Oh, mais pas au niveau conneries des gamines, hein, bien sûr. Elle grandira au début de l'épisode prochain. Vous pouvez commenter, liker, partager et regarder des pubs sur YouTube pour me soutenir. Moi je vous fais des gros bisous. Oh là 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 là. Et c'est sur cette bouille d'enfant en colère que moi. Donc je vous fais des très gros bisous. À la semaine prochaine. Ciao.